Entre 2006 et 2010, l'école a créé sa nouvelle structure. Délocalisation, construction de nouveaux bâtiments. Aujourd'hui, elle se déploie sur 3 sites. Le pôle pédagogique à Aix-en-Provence sur 18 hectares, le plateau technique de Vitrolles sur 24 hectares et le site parisien sur 1200 m² à Oudinet. C'est un potentiel logistique important avec 525 chambres, avec 200 000 repas servis annuellement, avec 8 000 personnes transportées et des infrastructures sportives. C'est également une capacité pédagogique hors du commun avec des simulateurs à taille réelle comme le plateau technique ou le Simurge, des simulateurs à réalité virtuelle, des salles pédagogiques. Ce potentiel lui permet de recevoir en moyenne 500 stagiaires, 30 intervenants, 30 manœuvrants par jour. 200 personnels assurent la gestion au quotidien de cette école. Le pôle pédagogique de l'ENSOSP se déploie sur une surface totale de 30 000 m². Il s'organise en différents espaces qui s'articulent autour d'une allée centrale. Le carré de cérémonie au cœur du site est le lieu de rassemblement des stagiaires, intervenants et personnels. Le bâtiment école abrite 50 salles de cours, salles tactiques, informatiques, labos, deux amphithéâtres de 100 et 300 places, un centre de ressources documentaires de 500 m². L'espace restauration détente offre un vaste self-service d'une capacité de 1000 couverts, des zones de détente et d'échange, une vaste terrasse baignée de soleil. L'espace hébergement se décline en 7 hôtels directement implantés sur le site et offrant 525 chambres individuelles entièrement équipées. Les installations sportives se composent d'un bâtiment avec gymnase, salle de remise en forme, dojo, d'une piste d'athlétisme, d'un terrain de football extérieur, d'un parcours sportif sapeur-pompier. Après 20 mois de chantier, l'ENSOSP dispose aujourd'hui de locaux fonctionnels, parfaitement adaptés et propices à l'étude.